Qu'entend-on par construction de compétences? Construire une compétence, c'est être capable de résoudre précisément un problème donné dans une situation donnée. C'est parce qu'on a analysé une situation que l'on peut réagir de manière pertinente à cette situation, et que cette capacité d'analyse se convertit en capacité d'utiliser cette compétence dans d'autres situations où elle s'avère aussi pertinente. C'est son niveau d'expertise qui en garantit le transfert. Plus on est expert dans une compétence spécifique, c'est-à-dire plus on comprend ce que l'on fait et ce que l'on construit, plus cette compétence sera intégrée. Et donc, grâce à l'acquisition de nouveaux mécanismes cognitifs, on devient apte à construire de nouvelles compétences. C'est cet effet amplificateur qui donne le sentiment que des acquisitions dans un domaine peuvent se répercuter dans d'autres. 4.2. La compétence à l'école, un outil pour penser le transfert. Si on enseignait uniquement à réussir en classe, l'école ferait un investissement considérable pour un bénéfice dérisoire. L'école doit en effet enseigner des choses qui pourront être réutilisées à l'intérieur, à l'extérieur, dans un autre contexte. C'est pourquoi il est plus important de savoir qu'on sait que de savoir. Car celui qui sait sans savoir qu'il sait, doit attendre qu'on lui demande d'utiliser ce qu'il a appris pour qu'il l'utilise. Celui qui sait qu'il sait, en revanche, n'est plus dépendant de cette demande. Il peut prendre l'initiative et prendre le risque de mettre ses compétences en action. 4.3. Comment sait-on? Une compétence est acquise par l'effet tâche. Philippe Mériot, si la compétence n'existait pas, il faudrait l'inventer, nous dit-il. La tâche, c'est aussi ce qui va fournir, en cas de succès, la satisfaction narcissique et, en cas d'échec, engendrer la déception et contribuer à la dégradation de l'image de soi. À 20 ans, on ne se souvient pas de tous les exercices que l'on a effectués pour apprendre à lire. On n'a pas conservé la totalité de ses cahiers de cours préparatoires, mais l'on sait lire. C'est ce qui a été construit à l'occasion de cette multitude de tâches oubliées a bien été conservé. C'est devenu une compétence que la personne s'est complètement appropriée et qu'elle met en œuvre librement à sa propre initiative. C'est là l'essentiel. Et c'est ce qui fait que l'apprentissage a réussi.